pour ça que j'ai besoin de faire celui-là ici, qui soit bien géré. Une fois qu'il sera géré, on pourrait être pas mal. Par contre, je suis à fond en eau. Ah, on va peut-être rajouter des carottes. Ils arrivent à bosser ici. Ouais, ils y arrivent. Ah oui, il va falloir péter et puis tout refaire aussi. Ben, là, pour l'instant, l'habitation ici me va très bien. J'hésite, celui-là, enfin, il est pas trop mal placé. L'arbre, ici, ça va à peu près. L'arbre aussi, là, c'est pas mal. Et après, tout ça, va falloir... certainement, tout ce qui est ici, va falloir que je le centre mieux de là. Que ce qui est ici, là, les inventeurs, ils sautent et qu'ils restent pas là. Il va falloir que je gère tout, mais... Parce que là, on n'a pas, par exemple, de graines de tournesol. Mais on a de la massette à fond. On a des carottes à fond, des baies à fond. Les biscuits de massette, c'est pas mal. Les racines de massette aussi, d'ailleurs. Donc, on a la nourriture. Elle est plutôt bien stockée. Ce qui pose problème, c'est un peu ici. Là, on a 4 habitants. On a 4 lits disponibles. On a de la nourriture. Donc là, pour l'instant, la nourriture tient bien. On arrive à avoir. On va peut-être pouvoir faire un deuxième fermier si ça s'avère nécessaire. On arrive à. En fait, ce qui nous manque, c'est les planches. Principalement, ce sont les planches. Mais une fois qu'on aura géré ça. Quand on aura construit tout ce barrage ici, là. J'aurai déjà géré ce côté-là. Et je vais voir si je peux réussir à casser le fait qu'en fait il doit faire tout le tour. Si j'arrive à faire la route ici, normalement je devrais pouvoir pousser un peu plus loin et peut-être arriver pour pouvoir fermer cette zone-là et quitte à mettre des digues pour pouvoir gérer le trop-plein d'eau, etc. Mais qu'on puisse vraiment parce que là on a une zone d'électricité qui est géniale, hein. Clairement. Là, l'électricité tourne un peu à plein. Il faudrait presque diriger le flux en faisant ça. Par exemple, ça pourrait être un truc. Donc, si on fait ça, qu'on fait le même truc ici. Bah oui, parce qu'il lui manque, il lui manque des planches. Il manque deux planches et après il sera construit. Et on ne peut pas utiliser l'acier pour l'instant parce que bah, ici c'est tout cassé, quoi. Donc, j'ai un peu tout cassé. Bon, voilà. On va pouvoir continuer les constructions ici bientôt. Bientôt, ça va prendre du temps, mais on va pouvoir gérer. Là, on va pouvoir peut-être. Si on a su là déjà, ce bâtiment va bientôt être fini. Dès qu'on aura, voilà, il est fini. On va pouvoir avoir les rondins. Il va falloir des choses. Il va nous manquer du monde peut-être. Là, on a quoi? Ok, on aura bientôt du monde, donc c'est pas mal. Et on va essayer de planter les arbres de ce côté-ci. Alors, ils vont être inondés, etc. Oui. C'est pas bien, au secours. Mais on va pouvoir gérer. Donc on va avoir de l'acier. L'acier va pouvoir venir ici pour pouvoir avoir les trente d'acier. Et on va commencer à travailler là-dessus. Donc on essaye d'améliorer la construction. Là on est en train de construire les premières écluses doubles. Et une fois qu'ils auront coupé tout ça, nos chers... Ah, j'ai pas assez de monde ici. Ah, il va peut-être falloir rajouter des petites maisons alors. Donc on avait dit rajouter des maisons ici. Avec plaisir. Alors attendez, que je réfléchisse. Parce que là je voulais un escalier. Mais ça veut dire qu'il faut que je fasse un truc double. Et là je vais être trop. Ah oui, donc ça j'en ai pas besoin en fait. J'ai juste besoin de ça.
On va gérer. On va gérer. De toute façon, ça, on va le mettre en pause pour l'instant. Je vais pouvoir gérer ça comme ça. J'ai deux boulots. Ouais. Et ok. Bon, bah lui, on va le mettre en pause. Si j'en ai pas besoin tout de suite, autant pas s'en servir tout de suite. Bien. Je réussis à faire à peu près ce que je veux. Ça prend du temps. On se prend pas la tête. Et on va bien réussir à faire ce qu'on veut. Bah, l'eau est plus un problème. Oui, c'est vrai. L'eau n'est plus vraiment un problème. Maintenant, ce qui pose problème, c'est les planches. Alors, les planches, on peut les produire sans trop de soucis. De ce côté-ci, les engrenages, bon, bah, ça va demander des planches. On peut mettre ça en pause pour l'instant, parce que j'ai pas spécialement besoin d'engrenage là tout de suite. Est-ce que lui, il a assez d'énergie? Oui. Est-ce que là, on arrive à... on a plus de rondins. Et là, j'ai des rondins, mais là, j'en ai plus. On va peut-être envoyer quand même des rondins. Hein. Les rondins, c'est vers la fin. Comme ça, on va pouvoir construire, bloquer ce qui peut l'être. Voilà, là déjà, on doit avoir un peu plus de puissance. Bon, ouais. Forcément, allez, c'est l'arrêt de l'eau. Je sais pas pourquoi ça s'est bloqué ici, mais... Alors que ça continue de là. Bref, pas très grave. Voilà, la sécheresse a commencé. Il y a des choses à construire, d'accord. Ça a commencé à construire ici. Est-ce qu'on a ça? D'accord, il manque une planche pour faire ça. Après, il va essayer de faire le forestier. Alors, le forestier va pouvoir travailler de ce côté-ci. Et après, on aura nos rondins de bois. Alors, ça va poser un problème tant qu'on n'a pas construit tout ça. Mais on va déjà essayer d'avancer. C'est pas... On fera des roues de la honte s'il faut là-dessus pour que ça avance un petit peu. Pour l'instant, c'est pas une priorité, les roues de la honte. Ah, ça n'a pas besoin. Mince! La fonderie n'a pas besoin d'énergie. Ah, si, il a besoin d'énergie pour fonctionner. Bah, le rondin. D'accord, si, il a besoin. D'accord, 200 chevaux. Enfin, quelques chevaux. Bon, on va régler les choses les unes après les autres. De toute façon, là, on est en train de faire. D'accord, et on va avoir toute cette zone-là à faire. Donc, on va se débrouiller. Bon, on va... Tac, tac, tac. Ça, il nous faut ouais, juste les blocs d'acier. Là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, mais c'est normal. Non, j'ai peut-être pas besoin de ça. On va garder des planches. Parce que là, il nous manque l'infirmerie, il nous manque une planche. Là, il manque une planche. De toute façon, on va vite le voir hein, quand on aura les planches qu'il nous faut. C'est surtout des planches qui nous manquent. Et le problème, c'est qu'il faut les fabriquer, ces planches. Donc, elles sont pas reliées, je sais, mais il va falloir faire des planches à un moment. Va falloir travailler, messieurs. On a du rondin, donc c'est plutôt pas mal. Il y en a un qui a besoin d'eau. D'accord.
Est-ce qu'on aurait ça? Ouais, je pense qu'en fait, quand on a beaucoup de construction ici, les planches, on a du mal à les faire. Pour l'instant, ça avance. Ça va prendre quelques saisons, je pense, quelques cycles. Là encore, on est sur un cycle court, donc ça va pouvoir quand même avancer. Ça va quand même pouvoir un peu avancer. Par contre, j'ai l'impression que lui, il n'arrive pas à bosser, donc on va faire ça. Je ne sais pas pourquoi lui, il a pas l'air d'avancer. Alors que je demande pas la mer à boire. Juste ça. Ça, y a pas besoin, ça y a pas besoin. Je voudrais ça ici. Peut-être mettre ça en priorité. C'est vrai qu'il nous faudrait ça en priorité presque pour pouvoir avancer et commencer à fermer le canal. Sauf que je suis là. Ouais, ce qui est inondé, de toute façon, ça prendra un peu de temps, mais c'est pas très très grave. On va faire lui ici de toute façon. Et on n'y a pas accès, je sais. Je suis au courant, messieurs les castors. 50 engrenages, faut que j'arrête les engrenages. Faut que j'arrête les engrenages, faut que j'arrête les engrenages. Hop là. Très bien, plus d'engrenages. Comme ça, là, il peut les fabriquer. On pourra les fabriquer quand ce sera nécessaire. C'est un peu ça, Falseric. J'ai lancé trop de choses en même temps. Là, on a des rondins pour la construction, c'est déjà bien. Je vais arrêter les rondins aussi. Très bien. Et l'eau va revenir. Donc ça devrait le faire. Là, on a suffisamment de rondins. C'est bien. Pas 126. C'est les planches qui nous manquent. Il nous faudrait presque. Ah, et maintenant, si je fais ça. Maintenant, en termes de route. Voilà, ça va beaucoup mieux. Ah, il met toujours que la route là est pas top top, mais en soi, ça par contre on va le sauter ça. Je veux pas cet arbre là. Je veux pas de ça ici. Quand on aura fini ce barrage, là déjà, les planches vont pouvoir revenir. On va pouvoir construire un peu mieux là où on veut. Oui, parce que j'ai pas d'accès en fait. J'ai pas assez de planches pour pouvoir faire ça. Donc pour l'instant, j'ai pas les accès voulus. Mais ça va se réparer, il n'y a pas de souci. Là, on est en train de. Il faut gérer tout ça et ça demande beaucoup de planches. Ça, je vais pouvoir y casser. On va pouvoir récupérer du matériel. Il faudrait que je puisse fermer là-bas en bas. On a les rondins. Comme ça, on va pouvoir faire des deux côtés. Les rondins vont être réutilisés.
Ok, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir commencer à planter et à former tout ce qu'il faut ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça a amené les rondins, hein, là où on en avait besoin. Donc il nous manquera les planches. Alors ça, c'est pas prioritaire du tout. Ça, c'est pas prioritaire du tout. Ça, c'est pas prioritaire non plus. Par contre, ce qui veut dire que ça sera déjà une priorité plus haute. Et ça sera très bien. Et une fois qu'on aura fait tout ça, déjà là, on aura géré un petit peu. Quitte à ce que peut-être je ferme ici, pour diriger le flux d'eau par là-bas. Pour l'instant, là, il manque des planches en fait, hein. Ce sont les planches, le facteur. Facteur bloquant pour le moment. Parce que là, on a quoi? On a 6 gars qui savent pas quoi faire. On a notre science qui est en train de monter. L'observatoire, la raffinerie. Convertit de la nourriture et de l'eau en combustible. Ah, c'est pas mal ça! Pourquoi pas? On pourra faire un lit d'eau. On pourra leur faire des douches. On pourra faire des douches. Parce que ça peut être intéressant. Les épouvantails, ça peut être sympa. C'est de l'esthétique. Après, bon. Pour l'instant, on est en train d'avancer tout ça. Donc, c'est pas mal. Là, je suis quoi? Ah, il manque des planches, en fait. Hein. Et déjà, une fois que j'aurai le sol ici, j'aurai fait déjà du bon boulot. Ok, c'est bon. Ça me plaît. On commence à fermer ça et j'ai déjà plus de bois. Est-ce que je pourrais pas renvoyer du bois? C'est dommage qu'on puisse pas mettre en pause certains trucs. Allez, on a. Donc le métal est en fabrication, on en a fabriqué ou pas du tout? Ah non, on n'a pas de. Ah bah oui, on n'a pas de ferraille. Et on n'a pas accès à la ferraille non plus. Donc ça aide pas. Mais on va s'en débrouiller. Dès qu'on aura fermé ça, on aura la possibilité de planter un peu des arbres. Alors, ils vont se noyer dans un premier temps. Mais c'est une chose qui arrive. Que voulez-vous, hein? On fait ce qu'on peut. On va se garder celui-là pour pouvoir faire un système de maillons, je pense. Et celui-là, dès qu'on pourra. Elle est trop éloignée du district? En quoi? Ah oui, d'accord. Et très bien, très bien. Ce sera pas déjà pas mal. Bon, là déjà, ça a boosté un petit peu. On a bien les rondins ici. Là, il nous manque. Ok, juste à construire. Donc, dès que quelqu'un pourra, ça construira. Voilà, et ça va débloquer toute la construction ici. Ah, là, il y a déjà les rondins, d'accord. Les 6 rondins sont déjà là. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, là, on a gagné un peu de route. Et si je fais ça. Est-ce qu'on gagne. Ouais, on peut aller beaucoup plus loin en fait. Et on verra si on peut passer par là et aller jusque là-bas. Parce que là, on est vert jusqu'ici. Donc il y a peut-être possibilité de mettre un passage par là-bas. Ou alors, ça veut dire qu'il faudra qu'on fasse un district par ici. Et pour pouvoir se servir de ces trois îles-là comme d'une zone de mine. Ça sera notre zone de mine, de toute façon, à la fin. Là, on va user ça. Et on va user ça, dans la mesure du possible. Mais après, il faudra miner constamment. Donc cette zone-là, avec la fonderie, etc., ça va sauter, hein. Là, ça va devenir autre chose par la suite. On n'aura pas le choix, de toute façon. Mais au moins, qu'est-ce qu'on a? Là, on a tous les rondins. Il nous manque les planches.
Et là, on est en train d'amener les planches. Donc, très bien. Et bien, ça me va. Ça me va tout à fait. D'accord, là, le stockage de rondins est complet. Donc, celui-là, déjà, il fait un bon rendement. Il y a du bon truc. Donc, en termes de bois, on a l'air de tenir pas mal la cadence. Ce qui me plaît assez. Faut juste finir ce barrage qui, bon, prend du temps, forcément, mais. Là j'ai fait ça, il va nous falloir ouais. C'est les planches hein, qui sont bloquants. Une fois que c'est ça, je vais pouvoir détruire tout ça en rondin là. Il faudrait au moins ça là, les quatre là. Là j'ai les rondins, il manque les planches. On produit quand même pas mal de planches hein, pour le coup. La production de planches se fait bien. Et ça se fera ensuite. Hein, on n'aura pas le choix. Mais je vois que j'ai des rondins qui ont été placés dedans déjà. Donc il manque plus que les planches et on aura les habitations dès que possible. Et là aussi, est-ce qu'on arrive à distribuer des planches? Pour l'instant, c'est ouais, c'est les planches le plus compliqué. Ça va venir, ça va venir. Là, je stocke le bois en attendant. Ils le mettent ici, je peux en mettre 180, c'est pas trop un problème. Et après, une fois qu'on aura fait ça, ce sera déjà bien. Alors, je pourrais avancer plus vite, plus optimiser, etc. Hein? L'optimisation, j'en fais déjà dans d'autres parties. C'est pas très grave si c'est pas toujours non plus optimisé aux petits oignons. Ok. Là j'ai tous mes rondins. Ah oui, mais là ils vont pouvoir mettre les rondins en plus, c'est bien. On va peut-être avoir la zone ici. Après, je garde ces zones-là pour pouvoir faire des sculptures, ce genre de choses, pour pouvoir mettre des statues. Qu'on s'amuse un peu, quoi. Qu'on n'ait pas toujours que des trucs. Faut que ce soit un peu joli. On construit avec on est avec des constructeurs. Ça serait dommage de se priver de ce genre de choses. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Enfin, c'est avec plaisir et réflexion, c'est très bien. Peut-être pas un feu de camp, mais un petit toit terrasse là, comme ça. Putain, c'est con. J'avais mis pas prioritaire, mais peut-être le mettre prioritaire finalement. Parce qu'au moins qu'on puisse avoir ça pour les castors, ça serait sympa. Je pourrais presque essayer de faire un deuxième fabricateur ici. Parce que là j'ai quoi? J'ai trois gars qui foutent rien. On pourrait envisager de faire un deuxième gars pour les planches. Hein. Commence à stocker du bois. Peut-être mettre lui en pause. Tant que tout ça pousse. Bonsoir à toi, Jekyll. Ça va, ça va, ça va. Et toi? Parce que là, clairement, ça, on pourrait le laisser comme ça va le faire sauter et mettre autre chose à la place. Mettre des cultures qui pourraient être intéressantes pour nous. Parce que bon, les baies, c'est bien sympa, mais c'est pas ce qui demande non plus un gros travail. Ah oui, d'accord, ils sont en train de faire ça. Donc on va bientôt avoir toutes nos digues. On approche du jour 13, donc on va bientôt avoir la sécheresse qui va débarquer. Plateforme repliée. Plateforme triplée, pardon. Ah, ça va pouvoir se construire, c'est bien. Est-ce qu'il va nous permettre d'attaquer ça?
On aura quasiment fini notre barrage ici. Donc les planches vont pouvoir être utilisées. On va pouvoir casser tout ça. Alors ce qui m'embête avec ça, c'est qu'il faudrait presque. En fait, il aurait presque fallu que je mette ça là. Ça, je le casse. Et que lui, je le mette là. Pour avoir de l'espace. Mais là, ici, on ne va pas l'utiliser pour de l'énergie. Donc c'est pas grave. Les rondins vont s'utiliser. On a bien 6 personnes. On arrive à avoir nos patates. On arrive. Puis on a un K2 de nourriture. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Alors on est quasiment complet en rondins. Comment ils vont pouvoir défoncer tout ça, enfin tout ça là derrière après, ça va être bien. Ça va emmener l'eau là-bas au fond malheureusement, mais à un moment. Allez, c'est bon, ça va. Dans 3 jours, on aura la sécheresse. Ok, ça c'est construit, ça va pouvoir attaquer là-dessus et là. Bon, on va pouvoir poser des rondins en fait. Là, il m'embête à pas vouloir construire ça là. Un peu désagréable les castors. Là, il me manque 2 planches. Et là, on a des gens qui foutent rien. Oui, 4 gens qui foutent rien. Pour le moment. Pour le moment, ça fout rien, mais. On va pouvoir gérer l'eau au fur et à mesure. Va peut-être falloir que je ferme ça d'ailleurs à un moment. On verra. On pourrait d'ailleurs fermer ici et tout le long. On verra. Ouais, parce que pour l'instant, ce qui nous manque, c'est les planches. Hein. Principalement les planches. On aura bientôt assez de bois. Celui-là, faudrait presque le ramener là. Et après, il va falloir qu'on fasse toute une série de fermes tout autour là. Je pense qu'on devrait arriver à faire quelque chose. Allez, là. Ça, c'est bientôt fini. Il nous manque. On aura quasiment fini toutes les planches ici. Ils n'ont pas amené de rond. C'est trop éloigné du district qui ne peut pas être atteint par les constructeurs. Comment ça? Ils se foutent de moi ou comment? Ces castors sont presque drôles. Comment ça, c'est loin de. Oh, d'accord. En fait, il se moque de moi, quoi. Bon, il me manque 2 planches, s'il vous plaît, messieurs. Ah oui, ben là, on va faire du barrage et on va faire ça bien. Il n'y a pas de raison que. Il n'y a pas de raison que ça soit mal réalisé. Hein. Là, j'ai peut-être fermé ici, comme ça, et puis on va se faire un truc tout le long là, un ensemble de barrages, pour que ça puisse tourner même pendant l'inondation. Et puis ça va être pas mal, hein. Y a pas de raison que ça marche pas. Hein. Allez, c'est bon. Maintenant, on va commencer à perdre de l'eau. Ouais, là, on en avait vraiment le truc pour que ça s'échappe dans tous les sens. Voilà, ça commence à se vider. La sécheresse a commencé, parfait. Bon, on va casser des trucs, hein. On va peut-être garder un peu l'eau temporairement pour éviter de trop perdre, mais
En fait, j'ai besoin de garder ça pour l'instant. Là, pour l'instant, je vais fermer tout ça. Voilà, là, maintenant, ils peuvent travailler, ils peuvent commencer à planter. Ça va être très bien. On va y arriver. Voilà, moi, je voulais juste ça. Et ça, il me reste trois. Ah, il me reste. Ah, il reste des planches quand même à mettre. Quatre planches, ok. Cinq planches. Et après, ils vont pouvoir construire ici et les maisons ici pourront être habitées, ce qui sera très bien.